Chers amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous continuons notre deux choses potes de chez Hachette avec les numéros 11 et 12. Si cette collection vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner. Vous avez également le lien du groupe Facebook de construction. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire avant de commencer cette vidéo. Nos numéros 11 et 12 de la deux chevaux spot de chez Hachette. Le 11, la transmission côté gauche. Notre pas à pas. Notre vue finale. 1948, naissance de la deux chevaux. Le titre 4-4 voisin pour deux chevaux. Notre numéro 12, le bloc moteur boîte de vitesse, notre pas à pas, notre résultat fini, la deux chevaux Woody, un safari au Kenya en deux chevaux. Et les pièces de notre numéro 13 où on va s'occuper du démarreur et de la boîte de vitesse. En A, on a notre tambour de frein gauche. En B, c'est la flasque de tambour. En C, c'est le soufflet de cardan côté moteur. En D, c'est le soufflet de cardan intermédiaire. En E, c'est le demi-arbre de transmission supérieur gauche. Et on a des vis PS01. On vient mettre déjà notre soufflet C à l'intérieur de notre tambour A. On vient faire passer les pattes à l'intérieur ici. Comme ceci. On vient mettre la flasque ensuite ici. Et on la tient avec trois vis. On vient ensuite mettre l'intermédiaire ici, comme ceci. Et on vient insérer ça à l'intérieur, comme ça. Et donc voilà pour ce numéro 11. En 12, ah, on a le bloc moteur, boîte de vitesse, côté gauche. En B, c'est la pompe à essence. Et en C, la flasque de frein, côté gauche. Et on a des vis PS02. On reprend ce qu'on a fait dans le numéro 11. On vient mettre notre flasque dedans. Comme ceci. On prend ensuite notre bloc moteur avec notre pompe à essence. Qu'on vient mettre juste ici. Comme ça. Et on tient ça avec une vis derrière. On vient prendre notre tambour de frein. On voit qu'il y a une petite entache par là, donc on met ça dans le bon sens. Et on met une vis ici. Et voilà, donc après, on n'aura plus qu'à assembler nos deux parties ensemble. Et voilà, je te vais nous donner notre bloc moteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette deux chevaux. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!